à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Neracholi 50. Alors, aujourd'hui, on va faire sur des commandes de modérateur. Donc, les commandes de modérateur, c'est un peu vague. Hein, je veux dire, les commandes de World Edit, de World Guard et toutes celles-là. Donc, pourquoi je fais au VARP ressources? Tout simplement parce que si je fais une tuile, pas que ce soit grave. Non, enfin, je plaisante. Je maîtrise en grande partie. Hein. Après, il peut y avoir une tuile, on va l'éviter dans les maps principales. Alors, bah, justement, la 7. Donc, pour les commandes de World Edit, surtout prendre la hache. Hein, la hache en bois. Clic gauche pour une first position et clic droit pour une seconde. C'est en fait les blocs qui seront affectés par votre commande. Donc 7, là. Après, l'idée d'un bloc. L'idée, c'est le numéro... comment dire? Le numéro d'attribution. Bon, alors, 7, c'est les blocs de diams. Voilà, ça, c'est la commande 7. Pour en longueur, en fait, ça fera en longueur. Et donc, après, pour annuler, pour revenir... avant votre dernière action World Edit, c'est une do. Ça va revenir à la dernière manipulation World Edit. Après, on a le Replace. Ah, bah, j'ai justement une super bonne map là. En fait, le Replace, c'est différent du set. Parce que le set, si je prends deux choses comme ça, ça va faire un carré. Ça va toujours ajouter des blocs. Tandis que si je veux remplacer tout ça, le trou y compris, mais d'un autre matériau, je vais utiliser replace, genre replace quoi, replacer et l'idée. Oui, j'ai sélectionné le bout là et le bout là. Voilà, ça va remplacer en fait. Vous voyez. Une autre. Une des plus connues, hein, à mon avis, c'est le cut. Alors, le cut, on reprend les deux bouts. On va faire double slash, cut. Ça va, en fait, les enlever. Et une do, la même chose. C'est pour, tout simplement, pour replacer, comme je vous l'ai dit. Alors, je crois que j'ai fini avec le World Edit, non? Et maintenant, je vais vous montrer le World Guard. Le World Guard, en fait. Ah non, excusez-moi, j'ai encore une commande World Edit. C'est le Copy Paste. D'abord, on copie les blocs avec Copy. Et on sélectionne un champ, une zone. Et on va faire Paste. Voilà, donc là, bien sûr, ça bug à mort en général. En fait, c'est pour copier un bloc d'un endroit à l'autre. Bon, ça bug complet, mais bon, c'est une commande. Après, on a le World Guard, c'est pour protéger souvent. Donc, je vais prendre deux blocs, enfin, deux régions de blocs, et région, par exemple, pour Cubo. Enfin, pour protéger, cuboïde si vous voulez, c'est région des fines et nom du gars. En fait, ça va lui protéger cette parcelle, sa parcelle, de telle sorte que c'est seulement lui qui pourra construire ou enlever dessus. Ça, c'est pour cubo. Après, pour attribuer une parcelle, attribuer un terrain, un champ, si vous voulez, c'est région add member pour membre. Et toujours le nom du gars. Voilà. Et je vais pas le faire bien sûr parce que ça n'a aucun sens de protéger ou voir ressources. Et je crois que c'est tout pour le World Edit et le World Guard. Laissez-moi réfléchir. Ouais, c'est tout pour le World Edit et le World Guard. Alors maintenant les commandes de modo classique. Hein. Ça c'est vraiment le classique du classique. On a le ban. Le nom du gars, le kick dont j'en ai abusé, le nom du gars et raison, genre
salut salopard. Voilà. Après on a le Jail, nom du gars Jail, par exemple torture, Jail torture. Après on a le 7 Jail, nom de la Jail. 7 Varp, nom du Varp. Voilà, c'est les 7. Et après pour téléporter automatiquement un joueur, attention je vais lui faire peur. TP, qui est présent. Uni, bon, maçon. Voilà, je sais pas si je suis en vanish. Non, pas trop vanish. Private, oui. Ok. Donc là, on est dans le donjon, moi je vous ai parlé dans une vidéo. Alors, bon, je vais aller vers BG. Oh, secours! Ah, où suis-je? Bon, et puis pour téléporter quelqu'un vers moi, c'est TPORBG. Je vais pas le faire parce que. Enfin, non, pas BG. Le nom du mec, quoi. Mais je vais pas le faire sinon. Voilà. Après, on a le. Ah oui, après, on a bien sûr le Temp Ban. Oh! Temp Ban. Nom du gars. Et du vrai. Non mais ils sont bourkis les mecs. Après on a la bedrock, hein, indispensable la bedrock, c'est pour savoir qui a posé ou détruit un bloc. Alors là il y a une grosse tour de bouse là. Par exemple pour savoir qui c'est qui va, vu que c'est un bloc placé. Excusez-moi. Vu que c'est un bloc placé, je vais avec la bedrock, je vais cliquer gauche comme si je voulais le détruire. Ah bah tiens, c'est celui-là. Je vais pas la détruire parce que j'ai lui en parler. Et voilà. Pour ça, c'est pour savoir qui l'a posé. Hein. Et si je veux savoir qui a détruit, par exemple là quelqu'un a détruit. C'est aussi B1, c'est aussi celui-là. Donc ça, c'est pour un bloc qui est détruit, c'est clic droit pour poser. Et pour savoir qui a posé, c'est clic gauche pour détruire. C'est paradoxal. Après, ah oui. Après, on a pour passer de en créatif. GM0, c'est la survie. Merde, je me suis foutu dedans. GM1, c'est le créatif. Oh le pu de gris. Je vais remplacer ça après. Après on a, excusez-moi. Après on a. Ah j'en avais un là. On a le GM. Ah oui, on a aussi le genre le GM bourgeoise du LOL. On a remarqué. On a le fly pour cette fly désactiver, fly activé. On a le burn, oui, burn, pas burn. Le mec, j'ai un BG du LOL 3 secondes. Celui-là, je le fais vraiment juste pour voir sa tête. Ah, mais j'aurais bien voulu voir sa tête, excusez-moi. Voilà, on va faire la même chose. Boum! Oh putain! Ou chier! Excuse-moi! Excuse-moi! J'ai pas fait exprès. J'ai. 10 secondes! 10 secondes! Eh ben, il creuse vite. Oh putain, en plus. Oh, en plus, il y a mon boss là. Ni vu ni connu. Après. Allez, le mec il veut que je reste, c'est pas gonflé. Après, ben, je crois que c'est un peu tout. Hein. On a le burn, on a le power tool, c'est pour donner un pouvoir après Zeus. Après, on a. Après, c'est ça. Mais le reste. Et ça fait ça. Voilà.
Après, voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc la Bedrock, World Edit, World Gear, Ethic, Ban, Jail. Ah oui, encore le Mute, ça c'est le dernier. Le Mute, genre BG du LOL. Durée. Voilà, Mute, BG du LOL, durée. Ça va tout. Oh mais il est chiant! Voilà. Voilà, c'est tout. C'est à peu près toutes les commandes à savoir, quoi. Et c'est la fin de cette vidéo. En fait, je vais encore la meubler. Non, je crois que je vais pas la meubler. Non, 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 ça servira à rien. Donc, ouais, j'ai fait. Si, je vais vous la meubler encore une dernière fois en remplaçant un griffe. Je vais vous faire une petite démo. Donc, voilà, vous prenez ce qui a été griffe. Moi, je sais déjà. Oh, le. Ouh, l'enfoiré. 3, 4, et bim, 5 glowstone. Mais c'est pas fini! L'enflure. Bon, 6 glowstone, voilà. Si Glowstone plus pose de. Non, mais si c'est lui, je te jure, je. Ouh, l'enflure! Bon, je m'en fous, je le jail. Mais je vais pas le montrer à la caméra, sinon je vais vraiment un peu m'énerver. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. Vidéo sur les commandes. De. De. Mine de BG du LOL! Ah parce que le mec il se fait. Ah ouais parce que le mec il se fait encore une mine. Bon, je vais pas. Je vais m'énerver après. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter où et à vous abonner à ma chaîne. Des autres vidéos tomberont. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye!